Bonjour, Manon de la Source, thérapeute de l'âme. Aujourd'hui, dans mes soins à distance, je vous présente deux beaux petits jumeaux de 3 ans venant de France. Donc, voici ici ma belle Morgane de 3 ans et voici Adam de 3 ans, évidemment. Et voici leur papa que j'ai fait il y a quelques mois, qui est Monsieur Philippe. Donc, voici un morceau de la famille réunie. Moi, le but aujourd'hui, c'est pour faire comprendre que c'est possible qu'il y a des liens intergénérationnels, qu'il y a des mémoires cellulaires de ces enfants-là avec nos de parents à parents et tout. Donc, un fait cocasse de M. Adam de 3 ans, si on regarde ici de dos, il a une petite réaction, un blocage à sa jambe ici. Et si on regarde papa de dos, et lui aussi a, comme par hasard, la même réaction. Donc, si fiston a la même chose que papa, c'est bien possible que la petite fille aussi. Donc, voyez-vous la différence? Tout du côté gauche, ok? On voit les bien ici, M. Philippe. Et on voit bel et bien Morgane, qui est plus affectée. Et on voit aussi Monsieur Adam. Donc, ça s'appelle des liens intergénérationnels, des mémoires cellulaires, des vies antérieures, peu importe. On peut quand même tout libérer ça. Ça l'aide, en tout cas, ça l'avantage. Confirmation de tout ça que je peux vous dire, je n'appelle pas Philippe. Pour Monsieur Adam, son aura est très jolie, merveilleux, contrairement à sa petite sœur. Il y a une petite différence, mettons. OK? Pour le garçon, OK, avec papa, ils ont déjà été jumeaux. Développe 15 vies antérieures. Papa était un enfant très en santé, un beau gros poupon rose à l'époque, mais Adam était un enfant, un jumeau qui était malade. Et dans ce vie-ci, il avait la difficulté à prendre sa place. Et était pas capable de mettre trop ses limites, qui m'a confirmé son père. Avec sa libération-là, M. Adam va beaucoup mieux, prend beaucoup plus sa place. Aussi, Adam avait une maladie, ça c'était le vitiligo, c'est une maladie pigmentaire de la peau avec brune et blanche, les taches. Et on a découvert que voilà, 8 vies avait été un grand brûlé et voilà, 7 vies antérieures avait été un garçon lépreux. Donc, la peau est revenue avec des mémoires, ok, possibles. Et ce que ça a fait aussi, quand il était un garçon de lépreux, il a fallu qu'il se libère de sa famille, qu'il se sépare. Donc, ça a déjà fait une insécurité en partant. C'est pour ça que Adam, quitter son père ou sa mère, ça ne fonctionnait pas. Il fallait toujours qu'il les ait avec lui. Il a vu les possibilités de cette vie antérieure quand il était lépreux. Donc, ça vous fait comprendre des petites choses, OK? Je sais pas, il y a les chakras et tout, mais moi, c'est surtout faire comprendre les liens intergénérationnels. Avec la belle petite Morgane, ok, son aura aussi, c'est quelque chose. Et en plus, attendez, je vais vous montrer, vous allez voir, ça suit de dos aussi. Voici de dos et de face. Donc, c'est vraiment là, il y a un blocage. Et pour ma belle petite Morgane, ok, sa jambe gauche était affectée. Puis à 15 ans aussi, si vous voyez ici, il y a un petit point noir, comme une étoile noire. Moi, j'ai ressenti une velure. Il y avait des plombs de carabine qui m'ont rentré ici. Et là, 15 vies antérieures, elle était un soldat de 21 ans à l'époque où elle a reçu des balles, des plombs ici, puis il en est décédé. Fait que c'est toutes des petites libérations qu'on peut faire en douceur. Il n'y a pas d'ange. C'est juste que c'est sur le corps et l'esprit de la personne. Être bien guidé, en protection. Je sais que papa Philippe est enchanté de ses beaux petits-enfants. Ils vont beaucoup mieux. C'est beaucoup plus léger. Leur santé s'est améliorée. Ils sont plus en sécurité en dents d'eau. Ils ont une meilleure confiance et tout. Fait qu'on peut libérer. Je vais faire un petit résumé vite. Mais c'est bien de pouvoir aider à libérer les enfants. Puis surtout les aider s'améliorer. Puis qu'il y a des belles réactions dans la vie. Ils commencent, eux autres sont tout neufs. Donc, si on peut les aider, c'est merveilleux. Ce que je voulais vous présenter, le papa, le jumeau et la jumelle. Et voilà, donc,
Ces missions à distance, vous pouvez me rejoindre le téléphone que vous voyez ici, 521-4842. Vous pouvez aller voir sur mon site web, www.manondelasource, ou mon Facebook, Manon Deliot de la Source. Au plaisir de vous aider. Et ça peut améliorer, aider vos santé, sous les blancs, comprendre des choses, vous accompagner dans votre cheminement, bien tant mieux. Fait que c'est ce que je voulais vous dire. Fait que au plaisir et bon soin à distance. Merci.